Salut, bienvenue sur SLM Ghetto Life. Donc en fait aujourd'hui c'est juste pour expliquer un truc. Il y a des producteurs qui me contactent, qui me disent: qu'est-ce que tu fais SLM Ghetto, tu produis pas pour des gros artistes, qu'est-ce qu'il y a, ils te boycottent, c'est quoi le bail? Non, c'est pas ça, c'est que j'aime bien produire pour des petits artistes. C'est pas que je boycotte ceux qui donnent ou ceux qui ne donnent pas. En fait, c'est une vision des choses. C'est que avec un artiste qui émerge, tu peux lui proposer un visuel, tu peux lui proposer plein de choses différentes. T'as plus libre cours à ton imagination, à l'aspect créatif. Donc en fait moi quand je me lance dans la vidéo, c'est par passion. En fait, je veux progresser, je veux pouvoir faire de nouvelles choses, de nouveaux trucs. Et par rapport à cette histoire, c'est pour ça que je me suis embrouillé avec un des gars. Je pense que vous avez vu la vidéo où il me dit: ouais, pourquoi tu produis pour ces petits, pourquoi tu produis pas pour... Non, moi tout le monde est pareil. Et justement, moi, je veux pas être dans ce cas de figure-là. Genre, je fais des vidéos pour certains et non pour d'autres parce qu'ils ont pas assez de notoriété, parce qu'ils vont pas me rapporter assez de vues. Et commencer à filtrer les gens qui viennent me voir. Et je me suis dit, au lieu que je suis dans ce cas de figure-là, je vais préférer... laisser les gens qui sont intéressés par ce que je propose venir à moi et non rester dans un groupe d'artistes. Déjà, un, pourquoi j'ai pas accepté de faire ça, c'est parce que quand l'artiste a une certaine notoriété, il aura plus tendance à faire ce qui marche. Ouais, je vais plutôt faire comme lui, je vais plutôt faire comme l'autre là. Et en fait, à force de faire ça, ils se brident eux-mêmes. Ils ont peur de décevoir leur public. Donc, ils vont prendre moins de risques. Et le jour où ces artistes-là voudront proposer un visuel différent à leur public, le vidéomaker qui était dans sa zone de confort, qui n'a pas l'habitude de faire tel type d'effet, créer tel type d'ambiance ou quoi, il sera pas trop gérer ces genres de choses. Donc il va faire des effets visuels qui vont pas trop bien marcher et qui va consolider l'idée de base de l'artiste que non, je devrais pas faire des trucs comme ça parce que ça a pas très bien marché. Voilà, c'est ça le truc. Et moi, je trouve vraiment dommage que ils ont pas ce réflexe là parce que moi, j'ai bossé avec d'autres créateurs qui me payent pour faire des effets visuels. Donc, y a certains, ils n'ont pas ce réflexe-là de se dire « Je ne sais pas faire, je demande à quelqu'un qui sait. » Et aussi, on apprend beaucoup plus dans une petite production. Ça veut dire, dans une petite production, il n'y aura pas le mec qui va tenir la lumière, par exemple. Il n'y aura pas... Il n'y aura pas l'éclairagiste, il n'y aura pas le gars qui avec le scénario ou quoi. On va tout gérer, je vais tout gérer. Donc, je vais gérer la lumière, le son, le montage derrière. Donc, il y a beaucoup plus de charges. Donc, forcément, tu t'adaptes à tout ça et tu deviens meilleur à chaque tournage. Bien sûr, il y aura des erreurs, tu vas apprendre de tes erreurs. Et là, tu vas péter quoi, c'est ça que je kiffe, c'est pour ça que j'aime bien bosser avec des petits artistes. Il n'y a que des avantages pour moi, tant qu'ils me payent, c'est bon. Donc je vais pas, moi personnellement au jour d'aujourd'hui, je vais pas renoncer au fait de bosser avec un tel pour pouvoir, comment dire,
pour pouvoir, allons dire, que mon nom soit comme une marque, quoi. Mais c'est mon travail qui sera ma marque de fabrique et non ceux que je côtoie. Si vous venez vers moi, c'est que vous aimez ce que je propose et non parce que j'ai bossé avec un tel. Et c'est ça que j'ai pas aimé au début quand j'ai commencé, parce que j'avais une certaine notoriété par rapport à 9-6. Et il y a des gens qui sont venus vers moi parce que j'étais celui qui produisait 9-6. Au nom de 9-6, ça buzz, ah, ils veulent. Donc c'est ça le truc. Et par la suite, j'ai vu que non, ils me disent de faire des vidéos qui ressemblent à ce que j'ai déjà fait pour le bloc 9-6 et tout ça. C'était pas intéressant. Moi, j'aime bien proposer d'autres visuels, des choses nouvelles. J'aime pas rester dans ma zone de confort. Donc, à chaque projet, j'essaye d'apporter quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Soit de la 3D, comme avec Jay Chris, soit avec des effets de tracking planaire, du détourage avec du rotobrush. Comme pour Karat. Voilà, donc en fait, comme par exemple, regardez ma vidéo de Gifta SLM, où je fais passer du texte comme ça. J'aime bien faire des choses nouvelles. Voilà, c'est ça mon kiff. Mais si je fais à chaque fois la même chose, ça va me lasser. Je vais perdre goût dans ce que je fais et... Ah, ça sera pas cool, quoi. Et c'est pour ça que moi, je kiffe ce que je fais en ce moment et je regrette pas mon choix de m'orienter vers des artistes underground pour pouvoir kiffer ma life. Yes. Bon, je pense que j'ai tout dit et j'ai répondu aux questions que certains prods se posent. Ouais, pourquoi ils sortent pas des clips pour eux? Voilà, vous savez déjà... C'est ça le bail. Yes, yes. Bon, eh bien, à la prochaine sur SLM Ghetto Live. Et je suis aussi sur TikTok. Donc, à partir de 3000 abonnés sur TikTok, je vais commencer à faire des vidéos dédiées à TikTok. Et sur YouTube, je vais reprendre les vidéos freestyle ou... Yes, proposer des effets visuels et tout, comme j'ai l'habitude de le faire. Yes, I. À la prochaine. Sur SLM Ghetto Life.